Bonjour à toutes et à tous. Après ce week-end orageux, retour à un temps anticyclonique pour le reste de la semaine avec au programme du soleil mais aussi des nuages. On s'intéresse dans un premier temps à notre mardi 26 avril. Ce sera très certainement la plus belle journée de la semaine. Le soleil brille généreusement dès le réveil avec quelques passages nuageux par endroits. Le vent d'est-nord-est souffle autour des 20 à 35 km/h. Quant aux températures, on compte une moyenne de 5 à 6 degrés pour l'intérieur des terres, 7 degrés au Sable d'Olonne, 9 degrés sur l'île de Noirmoutier et 10 pour l'île Dieu. Dans l'après-midi, pas de changement côté ciel. Le soleil domine toujours avec une circulation de nuages inoffensifs. Seules les îles, vous le voyez, vont bénéficier d'un ciel totalement dégagé. Côté Mercure, eh bien, il est printanier. On compte 16 degrés sur la majeure partie du département. 17 pour La Roche-sur-Yon, 17 également à Fontenay-le-Comte et 15 sur les îles. Allez, on passe aux prévisions des trois prochains jours. Mercredi, c'est un ciel nuageux à variable qui nous attend tout au long de la journée. Le Mercure grimpe petit à petit. On compte 7 degrés minimum le matin, 18 au plus chaud. Des rafales sont à noter également avec des pointes allant jusqu'à 60 km/h. Et puis jeudi, pas de changement côté ciel, les températures affichent une moyenne de 10 à 17 degrés. Enfin vendredi, c'est toujours nuageux et variable. Les éclaircies sont de plus en plus nombreuses en soirée. Le mercure se radoucit de nouveau, comptez 11 degrés minimum à l'aube et 20 au meilleur de la journée. Retour au mardi 26 avril, très belle fête à toutes les Alida. Le soleil nous accompagne de 6h58 à 21h08. La mer s'annonce belle. Coefficient de marée 54 et 60. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une agréable semaine en compagnie de TV Vendée. À très vite pour un nouveau point météo.